Oh, oh, elle se rebelle, elle se rebelle la meuf. Hein. Les gens, c'est Viperius, et là j'ai vraiment envie qu'on avance sur le jeu, et aussi paradoxalement, j'ai quand même envie que ce soit pas quand même bientôt la fin, parce que bah en vrai, moi je passe de très bons moments, et en tout cas, bah moi j'espère que bah, vous aussi, quand vous regardez le Let's Play, j'espère que vous êtes content aussi que je fasse le jeu. Enfin bref, la dernière fois, nous, on s'était arrêté clairement, subitement, parce qu'on en avait clairement marre. On avait une sorte de gardienne ou je sais pas quoi, avec une allure assez banale au premier abord, mais qui au final, eh ben, c'était juste totalement l'enfer, quoi. C'était l'enfer. C'était clairement impossible de continuer. J'espère que c'est fini, hein, les histoires avec elle. Franchement, les ghouls, c'était cool, hein. Et moi qui pensais qu'on pouvait faire pire, beaucoup plus pendant le jeu que les ghouls, au final, je ne sais pas. Ah bah tiens. C'est le retour des fights, tiens. Le retour des portails, apparemment. Ça nous avait manqué. Alors, il y a un autre truc qui nous manque, hein. Je pense que vous l'avez bien remarqué, hein. Mais c'est effectivement... notre lanterne. Qu'est-ce qui se passe, là? Allô? J'ai pensé que tout allait cracher. Enfin, je sais pas trop. Donc là, je suppose que la faille nous a ramené chez nous. Enfin, en tout cas, elle nous a ramené dans un endroit plutôt assez commun. Un endroit que... Allez, ouvre! Non, regarde, mais ça se voit que c'est pas fermé, là. Encore une fois, hein, la force nous fait défaut. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah oui, d'accord, on s'est dit, ça raconte les symptômes de notre enfant déjà né, qui s'appelait Alice, il me semble. D'accord, donc il y aurait un délire apparemment de difficulté humaine. Un délire de faiblesse humaine et j'imagine que et aussi on avait vu qu'il y avait un délire aussi de vouloir créer la vie ou alors de vouloir être parfait vraiment ne plus avoir de problème d'immortaliser aussi hein. Il me semble que ça on avait un moment mentionné et on se retrouve encore le retour dans le ventre. Oh, mais c'est incroyable ça. D'accord, mais en fait genre t'as beau croire à chaque fois que tu passes des failles que ça y est, c'est terminé et tout, mais c'est tout complètement faux. C'est encore une fois... Mais là, tu vois, c'est marrant parce qu'on dirait pas du tout un jeu Frictional Games, là, maintenant. Là, ça a plus une vibe jeu Bloober Team. Hein. Jeu comme Layers of Fear, Blair Witch, avec vraiment des endroits comme ça, fantasmagoriques à mort. Frictional Games nous a jamais fait ça, hein. Il nous a jamais fait des lieux comme ça, hein. Du contemplatif comme ça, là, où tu fais que du... c'est simplement du walking simulator. C'est bizarre. Vraiment bizarre de la part de Frictional Games. Bizarre et aussi, c'est un tout petit peu doucement, comme un tout petit peu décevant, juste parce que bah, c'est du vu et revu. Malgré qu'il y ait une plutôt large originalité de leur part à certains moments, mais là, effectivement... Bon, après, ça... Ça se tient parce que c'est un rapport à... Ça justifie l'histoire, quoi. Il avait peut-être pas moyen de faire autrement, quoi. De nous faire un décor où on est dans son propre ventre. Et ça, c'est Alice, notre fille malade, là. D'accord. Si quelqu'un comprend ici... qui fasse appel à moi. Oui, je le répète encore, hein. Si quelqu'un arrive à comprendre, hein, toujours, hein. Je soutiens toutes les personnes qui ont un cerveau beaucoup plus performant que la moyenne à se manifester, hein. Complètement. Je peux courir ou comment ça se passe? Ah bah je peux courir, non, je sais pas quoi. Ah, si tu cours, tu te noies. Bah y'a un problème là. Bon bah je peux pas courir. Et là, le retour d'Algérie. Tiens, je pensais qu'on allait, que c'était la fin, que c'était fini. Ah bah là, on a notre bébé, il est encore beaucoup plus grossi là.
I don't think I can do this. No. Ah mais non mais attends, par contre là je suis plus humaine du tout là. Vous avez vu nos veines là? Ça c'est à cause de nos morts ça hein. Mais bon, je sais bien. Ah oui d'accord, c'est plus du boitage là, c'est clairement là, tu abuses là. Ou alors je nous fais une petite démo de Moonwalk, je ne sais pas trop mais... Un Moonwalk version bourrée hein, quoi, bien sûr. Ah, on arrive à avoir des pense-bêtes dans le désert, mais qu'est-ce que tu veux faire dans le désert? Docteur! Oh thank Christ, I need you. I need you now. I know it's crazy, but the baby... My waters have broken. Taken, Yasmin. Come to the tower. The tower. I'll try. All right. Hold on, little one. Tu vas quand même pas nous faire une classe 2, quand même. On l'a déjà fait, là, une naissance comme ça, prématurée, mais de 6 mois. Enfin, ouais, ça a déjà été fait, ça, dans la classe 2. Toi, tu dégages. Avec un peu de chance, on aura peut-être tué une goule. Et qui sait, hé. Ça nous évitera un petit ennemi en plus. Mother Mary. Ça sent l'accouchement sans le docteur, ça. Hein. Ça finit dans le trip césarienne et tout. Avec complément 3 litres de sang. This is bad. Ouais, et le pire, c'est qu'en plus, je reconnais l'endroit, là, hein, il me semble. Hein. Je reviens... Non, je sais pas trop. Je sais pas. Tous les déserts se ressemblent. Hein. T'arrives à passer avec ton gros ventre? Moi, je dis GG. Je dis GG. Après, de toute façon, t'avais pas le choix. Fallait bien. Up ahead. We'll be okay. We'll be okay. C'est bizarre cette histoire. Hein. Allez, il faut avancer. Ah ouais. Mais il faut avancer par contre là. Non mais généralement, normalement, là c'est pas une grossesse normale là. Hein, parce que là, normalement, même si t'as une grossesse aussi avancée que ça. Et si ça se trouve, c'est en fait on a un bébé ghoul, un bébé gollum dans notre ventre. Ah c'est obligé. Par contre tes pense-bêtes ils ne veulent rien dire maintenant. Tu nous fais juste des paysages sans aucun but précis. Et combien même? T'as des gros problèmes avec ton bébé et tout, et t'arrives à trouver le temps comme ça là d'un coup à dessiner. La passion avant tout hein. Par contre tu sais que tu te concentres que t'es en train de me faire jouer à quelqu'un qui ne connaît absolument rien de cette ville. Et dont je sais pas du tout où se trouve le docteur moi. Ouais, c'est ce que je dis, ça va accoucher, mais sans le docteur. On va partir du principe que c'est tout droit. Je pense que c'est là. Moi, je pense qu'il faut s'asseoir ici. Je pense que plus maintenant. On a une chance sur tous les bâtiments du village. N'invoque pas Super Saiyan. C'est pas la bonne solution. Ça a une bonne gueule d'hôpital, ça. Hein. Mais genre hôpital à la vieille eau, quoi. Hein. Je sais même pas dans quelle année on est, d'ailleurs. J'ai toujours jamais su. On a clairement pas l'air d'être dans une époque moderne hein, finalement. Quand tu penses, je veux dire, même l'Algérie aujourd'hui, c'est plus comme ça quoi. Et même, il y a personne en fait. Il y a jamais eu un seul habitant. En fait, c'est là où je remarque, mais en fait, les seules personnes réelles, enfin je veux dire réelles, oui, c'est ça déjà, un réel, qu'on a vu, mais je veux dire, les seules personnes qui étaient vivantes et qui étaient plutôt normales, qu'on a vu, c'était dans l'avion. Hein. On avait Salim, on avait plusieurs passagers à l'intérieur de l'avion. Et après, bim, crash, tout le monde est mort, même Salim, et on est la seule, hein. C'est un huis clos, en fait, ton machin. C'est sûr que c'est ça, là. Déjà, devant, ça ne ressemble ni à une clinique, ni à une infirmerie. Ça ressemble plutôt à la voie de l'enfer. Ça serait plus passable, tu vois. Bah là, on a plus de bébé. Ah! On pouvait avoir un bébé. Là, c'est mort. Là, non, là, je te dis, tu as perdu toutes tes chances. Si ton bébé est vivant, par contre, moi, je le jetterai. Parce que là, vu tous les coups, je serais pas serein, tu vois. Je serais vraiment pas serein. Ah, mais ça joue! Ah, bah attends, mais il faut venir, ça. Enfin, ça joue. Ah, il y a quelqu'un avec moi. Ah, encore une personne qui me connaît. On connaît tout le monde. Please.
Ouais. Elle est où? J'arrive pas à... Ah mais je suis d'accord, mais en fait je suis agrippé. Je suis agrippé en arrière. C'est pour ça qu'on ne peut pas la voir. Et ça fait très peur. J'aime pas qu'on entend des bruits de personnes qui est derrière moi. Ah ça y est, je la vois. Ah elle est chelou là, comment elle se déplace? Ah non non, ne m'aide plus s'il te plaît. Je ne veux pas que tu m'aides. Yasmine, please don't. I'll help you. Ça sent la mort en plein milieu. Mais hey, mais elle, attends, elle a les mêmes problèmes que nous là. Elle aussi, elle a eu beaucoup de morts. Elle aussi, elle a échoué comme nous là. Elle a passé son temps à tomber là. Vous avez vu toutes les veines là? Elle a le même syndrome que nous là. Enfin syndrome, symptôme. Ça touche tout le monde au final. C'est comme une peste. Mais ça se trouve, tous les symptômes là, qu'on dit de la maladie qu'a Alice, c'était exactement la même chose. Il y a tout le monde qui passe leur temps à mourir sans arrêt, au final ils meurent pas, ils passent leur temps juste à avoir une maladie dégénératrice qui se crée. It's trying to take me again. Oh, we must be quick. Quickly! It's coming. Mais pourquoi? Pourquoi elle m'aide pour au final se sacrifier? Il doit y avoir le gros boulot du jeu qu'on a toujours pas vu, hein. Pour qu'on ait beaucoup beaucoup de flou. Ça se trouve... Attends, quoi? Ah, ok, je vais faire ce que tu me dis. On va courir en buguant, hein. Je précise en buguant, bien sûr. Oui, malheureusement, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, il a décidé... Il a pas envie que j'avance, le jeu. Hein. Ah, peut-être que... Ouh, d'accord. D'accord, ok. Ah, par contre, elle court peut-être plus... Ah, elle court plus vite que nous. Ok, elle court plus vite que nous, je... Non, non, mais attends, mais... Comment tu veux faire, là? J'ai un bébé et pas toi, hein. Je trouve que t'es un peu trop avantagé. T'as qu'à être enceinte, tu verras. Tu verras qui arrivera mieux, là. Ah, mais... Ah, quoi que, je lui ai foutu un one punch. Bah voilà. Bon, je m'attendais pas que tu reviennes avec un pistolet, mais... Bon, si tu dis que t'es docteur, je te fais confiance. Jamais faire confiance à un docteur avec un pistolet, avec une arme. Jamais. Tu te barres, tu fuis quand c'est que ça arrive comme ça. Jamais tu réfugié. Ça, c'est carrément un succès créé par Le Pen, ça. Je suis désolé. Et à chaque fin de chargement, c'est un nouveau lieu qui commence. Faut ouvrir la bouche quand tu parles. Hein. Il ouvre pas la bouche. Moi j'aurais tendance à pas vouloir le sauver, vois-tu, tu vois. Si on pouvait faire un petit avortement, ça aiderait tout le monde. Ça aiderait tout le monde et ça ira plus vite aussi. Alors là, clairement, je ne sais pas. Il faut le fouiller. Peut-être que... Ah, si vous savez quoi, si on fait cette QSD, enfin tous les trucs, n'importe quoi, là, le... C'est ça, c'était bien ça. Il fallait bien faire ça. Lutter, c'est exactement les mêmes contrôles pour pouvoir... pour contracter. Ok, allez c'est parti. T'inquiète pas, on a eu le temps de se faire plein de coups, plein de chèques avant de naître. Donc j'ai été habitué, hein, aux gros coups comme ça, là, qui font mal. T'inquiète pas. Hein. D'ailleurs, si le bébé il naît normalement et qu'il a pas de problème, on va se faire une petite correction, hein, lui et moi. Ça va partir en octogone, parce que là, tous les coups là que tu m'as passé, là, tous les coups que tu m'as fait, alors que j'étais en pleine mission, quoi. Par contre, mes lunettes sont très sales, hein, je tiens à le préciser. Si, c'est ça, d'accord, c'est bien ça, c'est juste que c'est chelou, c'est bizarre, ça met autant de temps, mais... Mais c'est ce que j'essaye de faire, bordel. Allez, c'est la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, ça bug énormément, par contre. Je sais,
Je sais, c'est une situation plutôt assez bancale, je l'avoue. Mais c'est pour le bien de tous. J'aimerais bien beaucoup passer ce passage, comme il est très malaisant, très gênant. De toute façon, ça sert à rien ce que je fais. Si, ça sert à quelque chose, je viens de remarquer. Dis-moi que c'est la bonne là quand même. C'était pas comme ça dans la classe 2. On n'était pas en première personne, donc c'est moins malaisant, tu vois. Ah bah enfin. On n'aura plus de problème de coup maintenant. C'est fini ça, les problèmes de coup. Well done, Miss Triana. You have given us hope. Please. Let me hold her. I know. For you. J'avoue là. Attends, c'est moi qui ai accouché là. C'est pas toi. Attends, mais on est d'accord que techniquement, de façon légale. Quoi? Against our lives, what is one child? You fucking dare! You could so beat if me not. Ah! Ouh! Oh! Ah, elle se rebelle là! Ah, elle se rebelle la meuf! On nous a kidnappé notre bébé 2 minutes après la naissance, hein! Ah, ouais, c'est pas rien! Give her back to me! J'avoue que là. Y'a de quoi être vénère! Y'a de quoi être vénère! Je confirme que là. Allô, allô. Est-ce que... Putain, et en plus, quand on accouche, et quand on accouche, on a un manque d'énergie, quoi. On me donne même pas à manger et tout, et donc au final, on a du mal à courir, à se déplacer. Eh hey, baby, ça tourne au cerveau, enfin, je dis ça. Je sais pas trop comment ça marche, mais je pense, je suppose. Un pense-bête. Oui, pour retrouver notre enfant, bien sûr. Quelle idiotie! Quelle évidence quand même! J'avais pas besoin quand même d'avoir un pense-bête juste pour ça quoi. Oh. À gauche. À gauche c'est toujours. Je sais pas. Ça donne toujours de la chance. J'arrive pas à le retrouver, bah mon gosse. Quand même triste. T'accouches pour finalement. Pour dire. Ah bah bon. Désolé, mais t'as pas de chance, on kidnappe ton bébé. Et le pire dans tout ça, c'est que celui qui te kidnappe, c'est également le même mec qui te fait accoucher. Ah, il y a une faille là. Ah, bah voilà. Ah mais c'est une faille mais... Ah oui, d'accord. Il y avait pas besoin cette fois-ci de l'amulette. Ça s'est fait tout seul, pour vous dire. Ah. On serait dans l'endroit du mal. C'est plutôt assez magistral là. Hein. C'est par un enfant qui va mourir. Mais c'est quoi l'histoire de l'enfant là? Genre, c'est quoi? On aurait dit que tout le monde l'attendait quoi. C'est quoi cette histoire là? Donc au final, il y a un truc qui cloche hein, avec ce bébé. Hein. Ouais, bah je sais pas si c'est un compliment hein, d'être une mère là. Merci. Ah, on revient en temple hein. Alors, tu le vois, mais moi je le vois pas. Ah, d'accord, ok. Passez par l'ascenseur. Je sais pas si ça vous arrive souvent, vous, hein, de jouer à des jeux, surtout scénaristiques, mais de ne rien comprendre. Tout se passe, tu laisses tout aller. Ça parle, ça vit, ça agit, mais toi, tu... Ouais, je passe par là parce que je savais bien qu'il y aurait... Des... Oh ! Le retour tant attendu. Hank, stay with me, Hank. Accept her bargain, Tessie. No, it is painful. This way, we all live. Maybe even Salim. Attends. Ils veulent tuer, si je comprends bien, le bébé pour faire revivre Salim. Je veux bien ouvrir ça, s'il te plaît, si c'était possible. Parce que là, bah, dis-toi que je sais pas, là, ça veut pas s'ouvrir. C'est juste... Ah, d'accord, il fallait faire un petit coup. Il fallait donner un petit coup assez violent, là. Ah. Alors là, va falloir en profiter, là, par contre. Ne cours pas. J'ai bien retenu la leçon. Par contre, faut avoir des trucs à éclairer, hein. S'il vous plaît, je veux... Malheureusement... Ouais. Ah, mais c'est ouvert, ça. Mais je sais pas, c'était pas ouvert avant. Ah, ça va être le retour des ghouls, ça. Je te le dis.
Ça me manque quand même hein, de ne pas avoir de grunt là. Je crois que je vais clairement faire ça, mais quand j'aurai terminé de jouer à Rebirth, je vais revenir sur mon bon vieux The Dark Descent là. Don't listen, Tazzy. It's all right. Please, goddess, queen, whatever you are, he's dying. You know my terms, Tazzy Chiano. Have you changed your answer? No. No, I can't stay. I can't give her up. Then I cannot save you. But I am not a monster. I will give you aid before you face the desert. The fountain. Okay. We drink. Ça se trouve, c'est exactement le même liquide qu'il y a dans le Laudanum. Hein. C'est le médicament, hein, le même médicament suprême. Et c'est là où tu comprends un peu d'où vient le Laudanum créé dans les premières amnésias. Non. Narcissique. Léon. Ah oui, effectivement, on a autant changé que ça. C'est la seule plateforme où il n'y a pas de courant, comme vous pouvez le voir là. Moi, j'avoue que là, j'ai plus peur là. Depuis le début, là, pour l'instant, j'ai absolument pas. Bah, en fait, on est plus en mode compréhension de ce qui se passe. On essaye de racoler tous les morceaux. Et il doit y en avoir un quelque part, hein, pour l'instant. Ah. 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 Et moi qui disais que c'était pas un moment pour flipper. Je me suis peut-être trompé. C'est pas le moment. C'est pas le moment de dire ça. Bon, plus de nouvelles de l'autre là. Au final, j'ai voulu faire son petit one man show, mais ça va pas porter ses fruits. Ah bah voilà, c'est là. C'est là qu'on va peut-être pouvoir réussir. Il y a des gros blocs d'ombre là par contre. Hein. Oh mon dieu. Je pense que. Je sais pas si c'est les graphismes que j'ai baissés. Mais je sais pas si vous voyez l'ombre. Mais genre c'est saccadé de ouf l'ombre. Ouais, c'est peut-être parce que j'ai trop baissé. Ouais. Ok, alors, faut faire quelque chose avec ça. Sans doute que. Il faut que je mette là. Comme c'est pas assez long. Pardon ? Bon, je peux que passer, hein. J'ai un let's play à finir. On va revenir au câble, hein. C'est clairement, hein. C'est un traumatisme, hein, ces câbles. C'est clairement la raison pour laquelle je me suis arrêté un peu, là. Bon, du coup, on est revenu à notre mouton. À ce fameux truc, là. Ces fameux câbles, là. Bon, on sait pas du tout comment les assembler, là. On sait pas qui va dans le quoi. Regardez, mais ils sont pas assez longs, c'est ça qui m'énerve, moi. Non, mais clairement, regarde, on peut le débrancher, donc c'est là, c'est clairement là, là. Mais c'est là, encore, y a pas... Non. Quoi? Mais... Oh là là, là, c'est pas vrai. Oh là là, mais là, Friction Games, tu veux vraiment ma mort. Hein. Tu veux vraiment, mais genre, tu joues avec toutes les... Tu joues avec nos émotions. Ah, c'est là où je suis trop con. Mais regarde bien sûr qu'il passe, là. Mais bien sûr qu'il passe. Oh là là, j'ai vraiment envie de... J'ai envie de... Là, tu vois, carrément, c'est plus envie d'aller au carrefour pour acheter un capillon, mais j'ai vraiment, là, c'est... Clairement, j'ai envie d'acheter toutes les armes qui existent. J'ai envie de les foutre au crâne, ah, mais bon. Trop vulgaire, hein. Putain, c'est dingue. Eh, une heure, hein. Une heure que je suis resté dessus. Et en reprenant un autre jour. Oui, mais bien sûr que là, je comprends bien que tu veuilles lutter. Mais moi... Oh, bordel. Non. C'est le retour. Le retour non attendu de cette merde. Pas après une mission de câble qui a mal tourné. Laisse-moi un peu mon temps de répit, mais regarde-moi ça! Ah non, mais je suis mort. Oh là 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 là. Oh, c'est bon! Oh là là, oui! Oh là 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 là. Il y a un moment, des fois, je vous dis, j'ai clairement envie de. Oh là, j'ai envie d'exprimer mon bonheur là. Alors, en fait, depuis le début du jeu, on n'est jamais remonté à une seule surface, mais que ce soit 3 cm ou. Enfin, bon, là, j'exagère un peu, on passe ton temps quand même. Je veux dire, je parle en termes de revenir réellement à la surface à aucun moment, quoi. C'est plus t'avances et plus tu. Et plus tu sombres dans les profondeurs et ça crée un sentiment bizarre, je vous assure que c'est vraiment genre on a l'impression de plus bon, non, c'est ça. On a l'impression de plus savoir respirer en fait, c'est clairement ça quoi. Ouais, ça donne vraiment ce sentiment là quoi. T'as ce sentiment de. Ah là c'est notre. Notre côté, le côté d'autre côté ghoul là qui ressort là. Ça c'est grâce à toutes nos morts là qu'on a fait. On s'est transformé en meuf bien badass. Et c'est quoi qui vient d'éclore là? D'accord qu'il y a un truc qui vient d'éclore là. Have no fear, Tazzy Driano. I have no wish to hurt you. She will die. You do not remember?
The child will be born with a sickness. It will waste her to nothing. Here with me, she can live. Here, there is hope. No. No. Et pourquoi? No, there's something I can do. Vous posez pas les bonnes questions. Doctors, in Paris. You know what happened to her sister. The illness is too deeply rooted. Je sais très bien, je sais pas. J'en suis moi-même malade. And you do not have the heart. Et pourquoi, genre, tout le monde. Tout le monde craint pour la vie de mon enfant, mais genre moi non. En gros, moi je suis clairement mal en point, mais tout le monde s'en bat les steaks. Je suis trop vieille, c'est ça, du coup, sois fou. C'est parce qu'elle est pas encore née et il faut vraiment à tout prix. Faut vraiment à tout prix sécuriser la vie de cet enfant. Bizarre ça quand même. Moi aussi je suis malade. Ah, au docteur? Ah, je m'en bats complètement la race, hein. Oui, mais t'es où? Ah, si tu t'es transformé en lumière, en poussière de lumière, je sais pas du tout où tu es. Je viens de suivre. Ah, c'est ça? Non, t'as quoi? Je comprends plus rien! Mais t'es passé où, meuf? Ah, c'est là, d'accord, c'est elle. On est d'accord? Oui, c'est ça. J'allais dire, on est d'accord, c'est la guide qu'on a suivi depuis le début, là. J'ai clairement trop envie de passer par là, c'est quand même tentant. Je suis désolé meuf, mais il y a quelque chose qui m'intéresse ici, c'est trop tentant. Ah bah c'est plus tentant bizarrement. Attends, quoi que, qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Ah bah si, tu vois. Il faut réparer ça. Oui mais c'est bon. Oh mais tu m'engueules pas là. Oh, oh ça m'a... C'est quoi ça? Arrêtez avec vos délires de tentacules là. C'est pas des tentacules, je sais, c'est plus des branches, mais... C'est bizarre quand même. Puis-je me permettre de vous dire que votre monde est très très spécial? C'est là qu'on voit que j'ai pas assez regardé les histoires de Lovecraft. Hein. Je suis pas assez à l'aise avec ce genre d'univers. You must let me. En fait, t'as aucun repère, donc du coup, c'est très compliqué, quoi. Ah, bah voilà! Bah, on a fini le jeu, hein, clairement, hein, une fois que. On a retrouvé notre enfant, c'était le but, on a fini le jeu. Putain, hein. Vraiment, j'ai l'impression de rejouer à Outlast 2, mais en version très bizarre. C'est quand même ouf, quand même. Ah, c'est. Ouais, c'est. Maman's here. Assez bizarre comme sensation. Say goodbye. You do not have much time. C'est quand même très grande quand même pour une nouvelle née, non? Je sais pas. Normalement, enfin, son faciès est quand même déjà très déterminé. C'est quand même bizarre. It's all right, little one. It's all right. Oh God. Look at us, Amari. How did we get to this? Ça aurait très bien pu être un film, hein. C'était pas un jeu que vous auriez dû faire. Will it be Alice all over again? But to leave you here with her and all of those things that they have to do to keep her alive. What are we to do? Hush now. Lullaby. Close your eyes, for sleep is coming. Hush now. Lullaby. Mama's here, so don't you cry. I know. I'm sorry. J'ai cru qu'elle allait éternuer. Tu t'en fous, meuf, tu te barres, tu t'en fous. Ah bah voilà, on a retrouvé enfin l'énergie qui nous manquait tant.
C'est ce que j'aurais fait, en tout cas. Ah mais putain, mais elle peut tout entendre, quoi, c'est chiant ça. C'est vraiment genre une cheateuse, quoi, c'est clairement ça, c'est une cheateuse. T'as pas du tout le droit de parler, quoi. Mais il faut lutter. Allez, vas-y, lutte. J'avais pas tenté qu'il fallait lutter. C'est pour le bien de l'humanité. C'est bon. Ne fuis pas. Oui, si, je suis. Moi, je fuis, moi. Calmez le bébé. Calme-toi, bébé. Mais non, mais si tu lis... On n'a pas le temps. On n'a clairement pas le temps. Bien sûr que si. Je me fais suivre, là, non? Je comprends pas. Il faut lutter. Je comprends rien du tout, là. Ah, ça, tu vas me foutre ici. Yes! Enfin, ça marche, ça. Ça, tu me fermes ici. Tu t'enfermes ici. Je sais pas dans quel sens... Ça doit être bon, j'ai toujours pas compris. Ça, c'est... En fait, c'est sur des poumons artificiels, hein, si j'ai compris. Mais apparemment, ce sont. Enfin. Oh là là, what alors? Non, pas c'est le retour de cette merde. Oh, j'avais complètement oublié ce truc. Hein. J'avais complètement oublié ce truc. Ah, mais c'est que c'est complètement la merde là. Alors là, je sais plus si je joue. Ok. Je vais essayer clairement, je vais essayer d'avoir une belle fin. J'ai pas envie d'arriver à toi là, je veux pas. Je suis sûr qu'il y a un échappatoire, c'est obligé. Je veux pas du tout arriver vers toi. Ça ferait une fin très atroce déjà. Ah bah tiens, regarde, moi je passe par là. Je préfère passer par là, mais c'est encore l'endroit où j'étais. Mais c'est incroyable ça. Ah mais elle est en train de tout désactiver là, vous avez vu? Aïe aïe aïe, j'ai l'impression que c'est un peu la merde si je veux réussir. Ça va être la merde. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que t'as fait de ton bébé là? Tu l'as acheté? Qu'est-ce que t'as fait? On est juste mort. Ouais, c'est extrêmement tendu. C'est ouf ça. Ah oui. Ah ouais. Putain, mais donc c'est complètement vrai. Hein. Plus tu meurs et plus t'as vraiment la confirmation que tu te transformes réellement en monstre quoi. Ce qui signifie que si on n'était pas mort une seule fois, ce qui est impossible. Moi je vous dis, c'est impossible. Eh ben, on serait pas comme ça. On serait pas malade. Ça, c'est fou quand même de dire ça, quoi. Ça, c'est quand même assez intéressant. Mais j'ai l'impression d'avoir créé une fin nulle. Enfin, une fin pas bien. Mais non, moi, je voulais une fin. Alors, pour moi, le bébé est vivant, donc c'est une bonne fin. Ah, c'est devenu un screamer, mon bébé, maintenant. C'est assez triste de nous devoir faire devenir comme ça. Qu'est-ce que cela signifie, s'il vous plaît? Ah bah oui, cela signifie une magnifique fin. Ça a pas fait beaucoup parler de soi, en soi, comme pour moi, comme jeu, c'est vraiment dommage. J'ai dû faire, alors peut-être pas la pire fin, mais c'est clairement la fin badante, ça. Y a qu'à écouter la musique, quoi. Alors je suis très content d'avoir fini ce jeu, très déçu quand même d'avoir fini ce jeu. Et évidemment, tu veux en avoir plus, hein. Bah j'espère que cette Let's Play vous aura plu. Vous me dites ce que vous en avez pensé, en tout cas. Conseillez évidemment, moi, d'autres jeux, si vous avez des, je sais pas, moi, si vous avez des propositions à me faire, quoi, sur d'autres jeux à faire. Pas forcément des Let's Play, hein, si c'est juste des petits jeux comme ça. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait de jeu indépendant. Ah ouais, c'est vrai, il faudrait peut-être que je m'y remette. Moi j'espère que du coup, cette Let's Play vous aura plu. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook pour savoir qu'est-ce qui se sortira sur la chaîne. Sur ma page Twitter pour discuter avec moi, @tiradubavipagus. Partagez ces vidéos à votre bel entourage et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien rater. Et n'oubliez pas, quand vous avez un projet, vous le faites jusqu'au bout, car sinon, ça ne sert à rien. Allez, ciao ciao.